Coucou et voilà, donc première fois en face cam dans ce vlog et nous sommes déjà le 22 février. J'avais prévu de faire ça bien plus tôt et finalement j'ai procrastiné. Puis après j'ai été un peu malade, enfin, malade, j'ai eu un gros rhume quoi. Mais donc ouais, c'était pas possible pour moi de vous faire 10 vidéos en face cam. Mais bon, donc du coup là au moment où je vous prends maintenant, je viens de filmer la vidéo, le premier point lecture, donc du coup, qui est déjà sur la chaîne. Et donc, voilà, j'ai parlé donc de toutes mes dernières petites lectures, donc les 9 premières lectures du mois de février, plus l'abandon. Donc, je vous remettrai cette vidéo en barre d'infos. Et là, maintenant, je voulais un peu vous parler un peu de ce que j'ai fait ces derniers jours. Donc, vous avez vu, je vous ai montré quelques petites choses. J'ai pas encore filmé, je pense, par rapport à ça. Donc, j'ai repris un peu. Donc, j'ai fait le 19 et le 21, donc c'est-à-dire hier. J'ai fait pour 4 chapitres déjà. Aujourd'hui, au moment où je filme, je ne l'ai pas encore fait, mais si ça, jamais c'était le cas, vous verrez dans les images par après. Enfin, dans les séquences par après. Mais je voulais un peu aussi vous parler du carnet. Et donc, je le prends tout de suite. Donc, pour le carnet, j'avais dit donc dans le bilan du mois de janvier que je parlerais un peu plus des questions. Donc, du coup, jusqu'au 22. J'avoue que j'ai pas eu vraiment de question jusqu'à présent qui m'a le plus voilà. Le 1er février, c'était votre résolution pour demain. Le 5 février, c'était le morceau que vous écoutez constamment. Ou d'ailleurs, j'ai vu une évolution. Enfin, je trouve ça intéressant parce qu'au fil des années, comme ça, on voit les morceaux qu'on écoute. Et même celui de l'année passée, c'est un morceau que j'écoute toujours. Voilà. Le 10 février, c'était si cette journée était un animal, quel serait-il? Sinon, l'autre truc. Le 15 février, c'était quel remède pour un cœur brisé? Le 16, c'était le dernier spectacle auquel vous ayez assisté. Voilà, sinon. Mais j'avoue que ça faisait déjà quelques jours que je l'avais plus rempli. Je crois que ça faisait 4, même voire 5 jours. Donc celui d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore rempli parce que la journée n'est pas encore terminée. Mais sinon, par exemple, hier, donc le 21, c'était le mot de tendance du moment. Voilà. Et aujourd'hui, donc le 22, c'est l'émotion persistante de ce jour. Et voilà, donc je prends toujours autant de plaisir à le remplir, même si parfois, c'est vrai que là, comme cette fois-ci, c'était 5, 4, 5 jours, je ne sais plus. Voilà, on va dire que je crois que c'était 4 jours. Mais bon, c'est le plus embêtant, c'est quand si on vous demande si la question concerne la journée, etc. Mais bon, des fois, si c'est plus des trucs de réflexion, c'est bon, voilà, moi je trouve ça un peu moins grave. Mais bon, c'est vrai que j'essaye toujours de le remplir tous les jours. Ou au moins le lendemain. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, ça me plaît toujours autant. Et jusqu'à présent, je n'avais pas eu vraiment de questions qui m'avaient le plus interpellée. On verra ça à la fin du mois. Et on en reparlera également dans le bilan. Ou sinon, j'ai commencé Le secret de Chimney, donc de Agatha Christie. Je n'ai pas le livre ici dans la pièce, donc voilà. Mais je vous le montrerai donc un peu plus tard dans le vlog. Et sinon, côté série, on a regardé pas mal de choses. Enfin, on a regardé une série sur Netflix là au mois de février qui était pas mal du tout. C'était Anatomie d'un scandale, mais je vous en reparlerai de toute façon plus en détail dans le bilan de février. Sinon, je voulais vous montrer, hier j'ai reçu enfin des nouvelles cartes postales, j'en ai reçu qu'une au mois de janvier. Donc j'ai reçu une
d'Allemagne qui est vraiment très jolie et celle-ci qui vient d'Afrique du Sud. C'était la première fois qu'on m'envoyait une carte postale d'ailleurs en recommandé. Voilà. Mais bon, je trouvais ça très très chouette. Voilà donc le côté donc de ma desserte en ce moment, donc de mon chariot. Voilà, donc là c'est tous les livres que j'ai lus et que j'ai donc fait la vidéo. Je vais les remettre ici après. Et d'abord, je vais vite faire après une petite photo pour la miniature de la vidéo que dont j'allais faire le montage maintenant. Et puis la mettre en ligne, comme ça ce sera fait. Donc après, il me reste quand même encore ici tout ça à lire. Et encore ça d'ici la fin du mois. Clairement, ça va être pas possible. Je vous montrerai les livres que j'aurai lus au fur et à mesure, enfin que je vais lire au fur et à mesure dans ce vlog. Et je vous reprends, je vais essayer de vous reprendre demain, vu que j'ai encore pas mal de choses à faire. Je vais encore préparer également la vidéo des sorties du mois de février. Elle sera un peu tardive cette fois-ci, mais bon, tant pis. Donc voilà, je vous reprends plus tard dans le vlog. Coucou, donc voilà, il est temps pour moi donc de clôturer ce vlog du mois de février. Voilà, je vous ai fait quelques petites séquences, mais je vous avais plus repris en face cam. Donc là, on est déjà début mars, donc il est vraiment temps que je clôture et que je poursuis donc le vlog du mois de mars, enfin que je le commence tout doucement. Voilà, donc oui, le bilan de ce mois, il y a eu un petit truc positif, mais c'était pas encore ça niveau activité, même si j'ai quand même c'était déjà un petit peu mieux que le mois de février, donc que le mois de janvier, pardon. Au mois de février, déjà il y a eu le changement capillaire où je suis ravie, des nouvelles lunettes, etc. Et puis voilà, j'ai quand même assez bien lu dans le courant du mois, mais vous verrez ça dans le bilan du mois de février. Voilà, la seule chose qui était un peu embêtante, c'est toujours mon téléphone. Je scrolle encore un peu trop sur les réseaux sociaux, donc là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Mais sinon, voilà, j'ai quand même terminé un coloriage, enfin, et j'en suis ravie, et voilà. J'espère que ce vlog vous aura tout de même plu. C'était petit mois, petit vlog, voilà. Et je vous dis donc à très vite pour des prochaines vidéos.